Bon, ça fait plus de 2 semaines que je n'ai pas fait une vidéo sur la chaîne YouTube, et de base, je vous avoue que je voulais même pas faire une nouvelle vidéo sur Modern Warfare 2, mais au vu de la saison 3, j'étais très clairement obligé de parler de cette saison assez catastrophique dans l'ensemble. Et en plus de ça, beaucoup de nouveaux chiffres sont sortis concernant justement Modern Warfare 2, et on va en parler. Et par la même occasion, parler du soi-disant potentiel Code Killer, aka X-Defiant. Donc une vidéo assez chargée d'informations, donc du reste du début jusqu'à la fin pour tout comprendre. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube si c'est toujours pas le cas. Retour 200 000 abonnés avant 2024. De lâcher le gros pouce bleu, c'est super important. Vous connaissez l'objectif, les 1000 likes en moins de 24 heures. Donc je compte sur vous, lâchez un maximum de likes. Ça m'aide au niveau du référencement, de votre soutien. Et si vous kiffez toujours ce genre de vidéos remplies d'informations et de débats autour de la licence. Et de me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou Instagram. Allez, c'est parti, commençons. Je commencerai d'abord par les points positifs, parce que oui, même si je n'aime pas le jeu et si des personnes adorent cracher sur le jeu sans aucune raison valable, moi personnellement, je reste objectif et il y a des choses extrêmement positives concernant cette saison 3 de Modern Warfare 2. Il n'y a pas toujours que des mauvaises choses, il y a également des bonnes choses. Les points extrêmement négatifs qui ont été amenés lors de cette saison 3, et il y en a aussi un paquet, et c'est même incompréhensible que ce genre de choses ressortent, en l'occurrence le pay to win, et on va en reparler. Les derniers chiffres concernant Call of Duty qui sont sortis, alors on n'a pas en détail, mais on a quelques chiffres assez intéressants, et on parlera par la même occasion du soi-disant prochain Code Killer aka X-Defiant. Et en quoi X-Defiant est en train de mieux faire que Call of Duty. Commençons donc par les points positifs. Il faut bien l'avouer, il y a bien un domaine où Infinity Ward est meilleur que Treyarch, et ce sont les armes DLC. Vous connaissez mon amour pour Call of Duty Black Ops 3 et Call of Duty Black Ops Cold War, mais force de constater avec le temps que les armes DLC d'Infinity Ward sont toujours plus intéressantes. C'était déjà le cas avec la première année d'Infinite Warfare contre la première année de Call of Duty Black Ops 3, et j'adore Black Ops 3, hein. Vous le savez, j'adore ce jeu-là, mais la première année de Call of Duty Black Ops 3 en armes DLC, c'était pas terrible, tandis qu'Infinite Warfare, c'était plutôt assez bon. C'est également la même chose avec Call of Duty Black Ops Cold War, les armes DLC, hormis la LC-10 et le M2 qui étaient vraiment ultra stylées, c'est vrai que la Tech Knight, bon, elle est trop cheatée, mais c'est vrai que les armes DLC de Modern Warfare 2019 étaient plus satisfaisantes que celles de Treyarch. Un des rares points positifs de Modern Warfare 2019. Et faut être honnête, Infinity Ward continue sa bonne lignée en termes d'armes DLC en proposant des armes différentes et plutôt assez sympathiques à utiliser. Il faut rendre à César ce qui est à César, pour le moment c'est quasiment un sans faute de la part d'Infinity Ward et cela depuis Modern Warfare 2019. Hormis pour le fusil à pompe de la saison 2, ça c'était pas terrible du tout. Deuxième gros point positif, ils ont enfin mis le mode enragé. Bon, ils en ont remis du temps, hein, quand même 6 mois pour remettre le mode enragé, mais il est enfin sorti et tant mieux parce que ça c'est un mode de jeu qui devrait être là H24. C'est un mode qui a été créé par Infinity Ward sur Call of Duty Ghost. Ce mode-là doit être présent dès le début des jeux. Troisième point positif, et enfin, ils ont nerf les tactiques, ça veut dire grenade paralysante et grenade flash. Enfin, 6 mois pour attendre ça quand même, ça fait long quoi. C'est positif mais à la fois c'est frustrant parce que tu peux dire que tu peux faire cette mise à jour quoi, allez, 1 ou 2 semaines après la sortie du jeu. Du coup, c'est un peu frustrant, mais enfin, ils ont fait cette mise à jour et c'était franchement nécessaire. En quatrième point positif, mais qui a été totalement raté de la part d'Infinity Ward, ça a été la fonction et l'offre « Recruter un ami sur Warzone 2 ». Et le problème, c'est que quand j'en avais parlé sur Twitter, beaucoup de personnes m'ont dit « Ouais, t'es aigri, t'arrêtes pas de critiquer, t'arrêtes pas de critiquer », lorsque ce n'est pas la fonction qui est critiquée, mais c'est les récompenses qui sont critiquées. En soi, on est déjà au courant que le jeu est en train de perdre des joueurs, sinon on mettrait pas cette fonctionnalité-là. Et justement, en parlant des récompenses, elles sont ridicules. Vous recevez 2 camouflages, ouais, qui sort de Modern Warfare 2019, mais au moins bien. Des jetons double XP, d'ailleurs, je me pose encore la question à quoi ça sert d'avoir des jetons double XP à gogo lorsqu'on sait très bien qu'il y a des week-ends prévus lors de les saisons et que c'est très facile d'atteindre au moins le niveau maximum lors des prestiges saisonniers. Et puis, des trucs un peu ridicules qui ne servent à rien, honnêtement. Alors, beaucoup ont parlé du plagiat de Fortnite en reprenant cette idée-là lorsque c'est absolument faux, puisque l'idée de base, et je rappelle, Activision Blizzard, ça vient de WoW, justement, avec ce système-là. Système qui, je rappelle, sur World of Warcraft, te permet d'avoir des récompenses beaucoup plus hautes, avec plus de valeur et beaucoup plus intéressantes, comme des mois gratuits, des montures et plein d'autres choses. Au moins sur les récompenses, on se fout pas de ta gueule. Là, très clairement, c'est des camouflages complètement ratés de Modern Warfare 2019. Enfin, sur Modern Warfare 2019, ils sont jolis, mais sur Modern Warfare 2, bof, quoi. Lorsque d'autres idées pourraient être plus mises en valeur. Comme offrir 2400 points code à ta communauté, de pouvoir acheter un pack d'armes qui est censé être payant
gratuit et selon ce que tu veux. Alors évidemment qui ne le feront pas parce qu'on va en parler un peu plus tard de cela. Mais en soi l'idée est plutôt bonne, c'est dommage que l'exécution par contre est très mal foutue. Encore un nouveau point positif, c'est la refonte totale du pass de combat, comment ils l'ont fait, et c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus beau et c'est mieux illustré. Maintenant qu'on a attaqué les points positifs, attaquons les points négatifs. Et bordel, qu'est-ce qu'il y a des choses à dire? Déjà cette saison 3 a failli tuer ma PlayStation 4, et le jeu est tellement buggé que j'ai dû le mettre en anglais et pas en français, parce que effectivement à chaque fois que c'était en français, chaque fois ça faisait planter toute ma PlayStation 4. Oh, c'est toujours sympathique de payer un jeu 90 balles pour que finalement il plante à chaque fois qu'il y a une nouvelle mise à jour sur le jeu. Ensuite, il y a eu le scandale autour du Black Cell, et là, moi personnellement, je vais être plutôt assez objectif sur certains points. Le Black Cell est désormais la version ultime du pass de combat, l'édition premium si vous préférez, et tout ça pour un prix de 30$. Alors, beaucoup de personnes se sont offusquées là-dessus, personnellement, ce n'est pas forcément ça qui me dérange. Parce que honnêtement, si cette offre existait sur Call of Duty Black Ops Cold War et que les skins d'armes ou les skins de personnages étaient stylés, j'aurais été le premier à l'acheter, je vais pas faire l'hypocrite. Et surtout, il faut aussi se mettre dans la peau de quelqu'un qui aime Modern Warfare 2. Si quelqu'un aime Modern Warfare 2 et achète le Black Cell parce que c'est son kiff et que tout ce qu'il voit, ça lui plaît, je ne verrais pas en quoi ça devrait déranger. Surtout que finalement, c'est 6$ de plus par rapport à l'ancienne édition. Et qui, je rappelle, sur l'ancienne édition, te permettait juste d'avoir le pass de combat et avoir des paliers supplémentaires. Et en vérité, c'est ça qui me dérange le plus autour du Black Cell. C'est que l'ancienne édition a complètement été détruite pour mettre en place le Black Cell et vous faire payer plus. Et là tu vas me dire, mais où est-ce que j'essaye d'en venir? Bon, revenons sur les trois offres habituelles autour du Season Pass. Le pass de combat gratuit qui va vous permettre d'obtenir des récompenses limitées. Le deuxième est simplement l'achat du pass de combat qui vous permet justement d'avoir quasiment toutes les récompenses, puisque maintenant ils ont décidé de changer le système. Et la dernière version qui te permettait d'avoir le pass de combat plus des paliers supplémentaires très rapidement. Ça veut dire qu'au lieu de commencer niveau 1, tu pouvais commencer directement level 25 avec toutes les armes DLC. Et surtout avec tous les code points disponibles directement dans le pass de combat, bah tu étais rentable au final. Ça ne changeait rien, ça te permettait même de continuer à acheter les futurs passes de combat avec ce même système. Finalement, tu l'as acheté une fois et ça suffisait très clairement. Le problème, c'est que maintenant, ils ont complètement détruit ce système-là. Ils en ont mis un nouveau, plus cher, et moins rentable. Donc on vous fait casquer plus d'argent pour finalement moins de récompenses et encore pour rien en fait au final. Donc je trouve la manœuvre absolument pas honnête autour de ce nouveau Black Cell et je trouve qu'ils auraient dû laisser l'ancien système et mettre le Black Cell supplémentaire pour les personnes qui sont vraiment très fans du jeu. Parlons en soi désormais du contenu multiplayer. J'ai mis en avant les armes DLC d'Infinity Ward qui en matière générale sont plutôt bonnes avec des bonnes sensations etc. Et d'autant les maps, c'est comme le début du jeu, c'est à chier du début jusqu'à la fin, ça ne sert à rien et ces mecs chez Infinity Ward devraient peut-être commencer à prendre un stage chez Treyarch pour leur apprendre comment marchent les maps Call of Duty une bonne fois pour toutes. Et je pense qu'avec la somme qu'ils gagnent par mois en tant que développeur chez Infinity Ward, je pense pas que ça soit aussi compliqué de réaliser des maps avec trois couloirs. Je suis le premier à mettre en avant les bons points positifs, mais t'inquiète pas que les points négatifs, je vais aussi te les dire. Ça fait depuis Modern Warfare 2019 qu'on explique c'est quoi les problèmes, les mecs persistent dans leur idéologie de mapologie qui ne fonctionne pas, à un moment donné, il faut aller se faire foutre. La dernière mise à jour autour de Ricochet saison 3 qui était censée une bonne fois pour toutes bannir tous les cheaters règle absolument rien puisqu'il y a désormais de plus en plus de cheaters à travers la ranked de Call of Duty Modern Warfare 2. C'est très utile de faire un système anti-cheat s'il y en a de plus en plus. Magnifique les mises à jour. D'ailleurs, c'est drôle parce que depuis qu'ils ont mis ce système d'anti-cheat sur Modern Warfare 2 avec cette nouvelle mise à jour, bah il semblerait que sur Call of Duty Black Ops Cold War, il y ait de plus en plus de cheats sur le jeu, et en plus de ça, ils sont pas bannis. Je passe beaucoup de temps sur Cold War en ce moment, et je peux vous garantir que je n'ai jamais vu autant de cheaters sur le jeu. Mais ils se font pas bannir, t'inquiète pas. Il fonctionne vachement bien le système Ricochet. Hein. Mais sinon, c'est comme d'habitude, hein. Écoutez, vous allez jouer à Modern Warfare 2, vous faites un game, fait ok, il y a du nouveau contenu, je m'en bats les couilles. Dans l'ensemble, c'est du contenu inutile, inintéressant et auquel on peut très vite se lasser au bout d'une semaine, puisque le jeu en soi est lassant. Bah, le contenu est également lassant. Il y a eu un gros drama via les influenceurs et les développeurs code, puisque les développeurs code ont promis justement un changement au niveau des mouvements au niveau Warzone, et finalement, ce qui a été dit et ce qui a été fait n'a pas été au niveau des espérances des influenceurs. Et le problème, c'est que les influenceurs sont passés pour des imbéciles devant leur communauté et ont été terriblement déçus par rapport à toute cette situation-là. J'ai en tête un clip sur Twitter, pour ceux qui ont vu, de John Woo, justement, qui a pu parler avec les développeurs code, et quand il a pu voir, soi-disant, ces modifications au niveau de mouvement, de déplacement, il a été surpris, choqué, et tu voyais de la déception dans ses yeux, en mode, non, mais attends, c'est un gag, là, ce qui est en train de se passer. D'un côté, ça me fait rire, parce que ça me fait penser à toutes ces années sur Call of Duty World War 2, sur Call of Duty Black Ops 4, auxquelles les développeurs
ont promis de faire des modifications et auxquelles il n'y a jamais eu de modifications sur ces Call of Duty-là. Nous avons passé aussi cette souffrance. Nous l'avons connue, cette souffrance. Bref, tout ça pour dire qu'il faut jamais croire à un développeur Call of Duty tant que la mise à jour n'a pas été faite et que le problème a été réglé. Et croyez-moi que je parle avec expérience. Et là, je vais attaquer un point que je n'aurais jamais cru encore parler sur Call of Duty. C'est un point qui existait sur Advanced Warfare, qui existait sur Infinite Warfare, le fameux pay to win. Alors encore heureux qu'il n'est pas vraiment présent sur le multiplayer avec les packs d'armes auxquels on peut acheter, mais qui est malheureusement présent sur DMZ. Des packs d'armes désormais qui vont te donner plus d'avantages si tu as un certain skin pour obtenir par exemple des drones, des autoréanimations dès le début sans forcément passer par certaines zones. En gros, tu payes et tu auras plus d'avantages en jouant à DMZ. Et ce qui va justement me permettre de faire la transition concernant Activision, les chiffres, le nombre de joueurs en ligne et la thune qu'ils ont gagnée. Via le compte Charlie Intel via Twitter que j'avais partagé, donc n'oubliez pas de follow sur Twitter, je le dirai jamais assez, n'oubliez pas de me follow sur Twitter, on en avait parlé justement avec une image qui représentait le nombre de joueurs en ligne à travers les différents endroits que Activision possède, donc Activision, Blizzard, King. Pour ceux qui ne sauraient pas King, ça serait Candy Crush, Blizzard, bon bah j'ai pas besoin d'expliquer, Overwatch et WoW, et Activision, c'est majoritairement Call of Duty à l'heure actuelle. Donc seule la case Activision va nous intéresser lors de ce tableau. Et pour expliquer cela, donc on a depuis mars 2022 jusqu'à mars 2023. Par exemple, le premier tableau, quand on voit 100, donc ça veut dire 100 millions de joueurs en ligne, ne représente pas simplement 100 millions de joueurs en ligne sur Call of Duty Vanguard, puisque c'était le dernier Call of Duty sorti. Non, cela représente tout simplement le nombre de joueurs en ligne via les jeux Activision partout. Donc éventuellement, peut-être qu'il y aurait un... Donc c'est-à-dire qu'on pourrait encore avoir Modern Warfare 2 2009, Modern Warfare 3, Black Ops 1, enfin bref, tous les jeux en ligne d'Activision qui sont encore en ligne et que les gens continuent à jouer. Ça veut dire que ça prend en considération également les joueurs Call of Duty Black Ops Cold War, Call of Duty Vanguard, enfin bref, je pense que t'as compris, même Warzone 1, etc. Il y a quand même une petite chute par rapport à aujourd'hui, en 2023, puisqu'on parlerait de 2 millions de joueurs en moins, mais le problème c'est qu'on ne sait pas où c'est situé, et surtout qu'on ne peut pas savoir pour l'ensemble des Call of Duty, puisqu'on sait aussi qu'il y a Call of Duty Mobile, et Call of Duty Mobile, à l'heure actuelle, représente une majorité de joueurs en ligne. Oui, on ne dirait pas, mais c'est une vérité, il y a énormément de joueurs en ligne sur Call of Duty Mobile et c'est normal parce qu'il y a plus de personnes qui possèdent un téléphone qui ne possèdent une console de jeu pour pouvoir y jouer. Et surtout la hype constante qu'il y a sur Call of Duty Mobile, que les gens sont assez heureux, sont plutôt assez contents, autant des contenus différents possibles, qu'ils soient gratuits ou payants. Call of Duty Mobile, à l'heure actuelle, réussit mieux que les Call of Duty à l'heure actuelle. Et à se poser la question, justement, si DMZ ne possède pas plus de joueurs en ligne que le multiplayer de Modern Warfare 2, parce que pour qu'il y ait autant d'avantages au niveau des skins dans les packs pour être avantagé dans DMZ, ça me paraît quand même assez bizarre qu'il soit autant mis en avant par Activision. Donc c'est possible aussi que DMZ est en train de gratter un maximum de marché un peu partout. C'est plutôt assez intéressant à ce niveau-là. Mais ça démontre encore une fois que Modern Warfare 2 multiplayer ne fonctionne pas puisqu'on est au niveau des stats de Call of Duty Vanguard. Call of Duty Vanguard qui est considéré comme, par beaucoup de monde, moi pas du tout, mais par beaucoup de monde comme le pire Call of Duty de la saga. Et c'est bizarre de se dire qu'il y a encore moins de joueurs maintenant. C'est très bizarre. Enfin, bizarre non, puisque le multiplayer est une catastrophe en soi, mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais Infinity Ward, fidèle à eux-mêmes, continue à justement prouver qu'ils sont des maîtres dans le marketing de la fidélisation, puisque justement, par rapport aux chiffres qu'on a pu avoir là maintenant, Call of Duty Vanguard, enfin la période, l'époque de Call of Duty Vanguard, avait certes plus de joueurs en ligne que Modern Warfare 2, mais là maintenant, par rapport à l'époque Modern 2 que nous vivons, eh ben ils gagnent beaucoup plus d'argent que lors de l'époque de Call of Duty Vanguard avec moins de joueurs en ligne sur les jeux Activision. Donc ça démontre bien qu'ils ont réussi à fidéliser et à réussir à mettre en place leur système de marketing, tout ce qu'il y a derrière sur Modern Warfare 2, et que ça fonctionne plutôt assez bien pour le moment. Alors on n'est pas sur les mêmes chiffres que sur Warzone 1, auquel ils avaient carrément tapé 2 milliards sur un trimestre avec la sortie de Verdansk, qu'ils avaient absolument tout pété les scores. Là, c'est vrai qu'on se pose quand même quelques questions, où on en est par rapport à tout ça. Est-ce que c'est vraiment seulement Call of Duty, ou est-ce qu'il y a Candy Crush qui est derrière, est-ce qu'il y a encore Blizzard et tout? Là-dessus, il n'y a pas eu énormément de réponses, et peut-être qu'ils veulent essayer de le cacher pour d'autres raisons. Il faut aussi dire que quand le Black Cell est sorti, c'est devenu le deuxième plus gros achat de la
la plateforme Steam. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté, même s'il n'y a pas beaucoup de, peut-être, de personnes qui parlent beaucoup de Modern Warfare 2, il y a une communauté très silencieuse autour de Modern Warfare 2 qui, eux, apprécient le jeu et qui font rentrer de l'argent dans les caisses d'Activision. Malheureusement, ça ne me fait pas forcément plaisir, mais c'est le cas de le dire, et il semblerait que beaucoup de gens apprécient quand même le jeu au point même d'en acheter énormément. Mais bon, Infinity Ward, dans ce domaine-là, ils ont toujours été fortiches. Pour ceux qui s'en rappellent, on a déjà parlé beaucoup de fois sur cette chaîne concernant Infinity Warfare, qui avait totalement explosé les records en termes de microtransactions, sachant que Black Ops 3 avait 5 fois plus de communauté que Infinity Warfare, et c'est pourtant Infinity Warfare qui a mis une énorme claque à Black Ops 3 en termes de microtransactions. Mais un jour, ça serait quand même assez intéressant d'avoir les chiffres autour de Candy Crush, autour de WoW, autour d'Overwatch et autour de Call of Duty. Et je dis Call of Duty en général parce que ça va être compliqué de lister tous les Call of Duty avec les microtransactions. Mais ça serait cool un jour si on pouvait avoir à peu près toutes les statistiques. J'espère un jour qu'ils vont le faire, mais je pense que la chose qui fonctionne le plus avec Call of Duty Mobile, ça doit être DMZ et Warzone, et peut-être le multi de temps en temps avec l'histoire de la ranked, avec les fameux packs justement qu'il y a, des grosses structures e-sport qu'il y a derrière tout ça. Et on va enfin pouvoir terminer justement sur XDéfiant. Alors vous étiez nombreux sur Twitter à me poser la question, est-ce que tu as pu jouer à XDéfiant? Malheureusement, je n'ai pas pu jouer à XDéfiant étant donné que la bêta était seulement disponible via PlayStation 5, étant donné que je suis sur PlayStation 4, je ne peux pas jouer à XDéfiant. De toute façon, c'est terminé la bêta, mais je n'ai pas pu tester. J'ai fait qu'une seule chose pendant 4 jours, c'est regarder des streams XDéfiant parce que j'ai eu l'impression de revoir du Call of Duty Black Ops 2. Et c'était tellement kiffant, juste visuellement, j'avais l'impression de voir un code de chez Treyarch. C'était très bizarre, mais j'ai l'impression que c'était une sorte de BO2 amélioré, même si dans le fond de gameplay, ce n'est pas du tout la même chose. Mais visuellement, c'était très Call of Duty Black Ops, et ça, c'est plaisant. On a pu déjà parler de plusieurs fois de XDéfiant sur la chaîne avant même qu'il y ait du concret qui sorte, étant donné que la personne qui s'occupe de XDéfiant et qui communique, etc., est un ancien développeur de chez Call of Duty, des anciens Call of Duty, et du coup, résultat, eh ben XDéfiant plaît à beaucoup de la communauté, étant donné que c'est ce que doit être Call of Duty XDéfiant, et le Call of Duty que Activision n'a pas fait, et que c'est Ubisoft qui a fait. Ubisoft qui bat Activision sur son propre terrain, c'est du jamais vu. Les mecs te font le système de mini-cartes, un vrai système de spawn, des vraies maps intéressantes, pas de skill base matchmaking, même s'il y a un système d'équilibrage derrière. Bordel, c'est ce qui est attendu de la licence Call of Duty, ça fait des années qu'on attend ça. XDéfiant reprend la base des anciens Call of Duty, c'est d'ailleurs pour ça que j'adore autant Call of Duty Black Ops Cold War, parce qu'il reprend la base des Call of Duty. C'est pour ça que je déteste Modern Warfare 2019, parce qu'en soi, c'est un excellent FPS, j'ai rien à dire de Modern Warfare 2019. C'est l'un des meilleurs FPS qui est sorti, mais ce n'est pas Call of Duty, c'est autre chose. Ce que j'attends de la licence, c'est du Call of Duty, et XDéfiant propose ça. Même si je n'ai pas y joué, j'ai vu. Et en voyant ça, je me suis dit, mais putain, mais c'est du Black Ops 2, c'est du Black Ops 3. D'ailleurs, tous les éléments ont été repris de Treyarch. Rien n'a été pris d'Infinity Ward. Je dis ça, je dis rien, évidemment. La vie haute, un gameplay nerveux, ah bah, c'est du Treyarch tout craché, ça. Bah, et on reprend du meilleur, on s'inspire des meilleurs Call of Duty, hein. On va pas s'inspirer des Modern Warfare, là, c'est sûr. Et surtout, c'est qu'ils écoutent la communauté. Ils savent très bien qu'il y a une communauté code à prendre maintenant. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent même avec des pros Call of Duty pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire mieux sur XDéfiant. Scump a pu parler justement avec lui en demandant s'il y aurait une potentielle bombe nucléaire, parce que c'est vrai que le seul FPS auquel il y a une bombe nucléaire, c'est Call of Duty. Et XDéfiant, il semblerait, va peut-être se pencher à faire une bombe nucléaire sur leur jeu. Et ça, c'est quelque chose de bien. Il y a une communication, il y a quelque chose qu'on reproche à Infinity Ward, quelque chose qu'on reproche à Activision, à être têtu, à devoir leur expliquer qu'est-ce qu'il faut changer, comme le système de mini-cartes, comme le système de spawn, comme le système de dead silence. Et finalement, quand tu leur poses ça, quand tu leur dis, voici les problèmes de Modern 2, tu fais, ah non, mais nous avons décidé d'orienter le jeu ainsi. C'est comme ça, maintenant tu fermes ta gueule. Et c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est améliorer le jeu. On veut aller plus loin avec le jeu, parce qu'on sait très souvent que c'est des jeux qu'on veut grind, parce qu'on veut retrouver cette hype que nous avons eu lors des anciens Call of Duty. Et c'est ça qui est décevant. Et lorsque tu vois XDéfiant qui fait absolument tout le contraire. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui disent que XDéfiant serait le code killer, le tueur de Call of Duty, et que Call of Duty n'existerait plus. Bon, alors là-dessus, j'ai beaucoup de peine et je vais vous dire un truc. Le code killer,
ça restera toujours Call of Duty. C'est toujours eux-mêmes qui se foutent une énorme balle dans le pied, qui font tout en sorte pour essayer d'attaquer un autre style de gameplay, une autre, comment dire, une autre vision, voilà, une autre vision du FPS, et qui des fois ne fonctionne absolument pas. Après, c'est toujours compliqué d'essayer de contenter un maximum de monde, ça aussi, il faut aussi en prendre considération lorsque tu es une entreprise, il faut aussi s'attaquer à une certaine partie de la communauté. C'est vrai que là, on s'est un peu fait chier dessus sur Modern Warfare 2, mais c'est ainsi, c'est comme ça. Et la deuxième des raisons, elle est simple, c'est très compliqué de se faire une place dans le monde du FPS. Je rappelle que Ubisoft est un petit studio comparé à Activision, d'où le fait qu'il y a eu beaucoup de problèmes de netcode sur XDefiant pendant un long moment, parce que ce n'est pas Activision, ils ne possèdent pas le même capital, hein, il faut en parler, le même capital qu'Activision. Donc c'est très compliqué aussi pour eux de devoir gérer ça. Ils vont devoir gérer une pression en termes de hype, et le seul jeu qui a été capable au jour d'aujourd'hui, hormis Warzone, c'est quand même Fortnite. Fortnite a su préserver une certaine hype à son début jusqu'à exploser et atteindre son prime, hein, atteindre un vrai gros prime. Et ça demande beaucoup de boulot, parce qu'il y a beaucoup de FPS qui ont un énorme potentiel derrière. Mais si c'est pas, on va dire, comment dire ça, gérer correctement, influencer correctement, faire des mises à jour régulièrement, le jeu peut très vite tomber dans les abîmes s'il n'y a pas d'intérêt à y jouer. C'est pour ça d'ailleurs que Scump en parlait de mettre une bombe nucléaire sur XDefiant, parce que ça rajouterait de l'intérêt en plus du côté e-sport qui aurait potentiellement à côté de XDefiant, mais rajouter de l'intérêt, et ça c'est super important pour un jeu, c'est pour le faire durer dans le temps, pour que les gens viennent, s'amusent, qu'il y ait des défis un peu impossibles, etc. Et ça fait partie du monde du jeu, ça, c'est game design, c'est tout ça fait partie en fait du jeu, et c'est super important. Et ça, est-ce qu'ils sont capables de le faire? Je ne sais pas, ça sera le temps qui nous le dira, et on espère que pour eux, je l'espère quand même pour Activision. Et oui, je dis aussi espérer pour Activision, parce que ça va foutre une pression si le jeu est bien réussi. C'est ça aussi l'avantage par rapport à ça, c'est qu'on pourrait potentiellement se retrouver avec un nouveau Call of Duty, qui est en l'occurrence fait par Sledgehammer Games, qui va sortir en 2024, que visiblement ça va jamais tenir 2 ans avec Modern Warfare 2, mais on aurait potentiellement un concurrent direct de Call of Duty avec un style Call of Duty, et qui pourra potentiellement mettre plus de pression sur Activision en faisant les choses bien, en écoutant peut-être un peu plus la communauté. Et c'est ce que Call of Duty avait besoin, et c'est ce qu'il y avait eu à l'époque avec Fortnite. Fortnite a été, même si c'est un Battle Royale et il y a eu un FPS, beaucoup de monde se sont cassés de World War 2 parce que c'est l'un des pires Call of Duty de la licence, peu importe ce que tu me dis, les chiffres le prouvent. World War 2 n'a pas été bon, ça a été très mauvais comme Call of. Et ce qui a été au moins bien par rapport à ça, c'est que Fortnite est venu à foutu un gros bordel chez Activision, et ça a permis à Activision de s'améliorer sur certains points. Peut-être pas d'autres, effectivement, mais ça a permis de s'améliorer sur beaucoup d'autres points positifs. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si tu es resté jusqu'à la fin, n'hésite pas à mettre un XDefiant, de lâcher un gros pouce bleu, de follow sur les différents réseaux sociaux, de me dire qu'est-ce que tu en penses, toi, dans l'espace des commentaires. Qu'est-ce que tu en penses de ce XDefiant? Est-ce qu'il serait capable de mettre à mal Call of Duty? Surtout que le prochain Call of Duty, comme je vous ai dit, c'est fait par Sledgehammer Games, qui serait une suite de Modern Warfare 2. On ne sait pas comment il va s'appeler. Peut-être qu'il va s'appeler Modern Warfare 3. On ne sait pas pour le moment, c'est entre guillemets Modern 3, mais on ne sait pas réellement à ce niveau-là. Moi, je vous dis bye et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty, et je vous dis ciao. Attends, t'es toujours pas abonné là? Bah tu t'abonnes, primo. Deuxièmement, tu lâches un like, et ensuite, tu me follows sur les différents réseaux sociaux. Hein, que ça soit Twitter, Instagram, tu fais la totale. Et t'oublies pas de checker les autres vidéos.